Bon, il va bientôt être l'heure d'aller à la soirée de ma meilleure pote là. Kim, elle fait une soirée chez elle. Incroyable. Mais juste avant d'aller à la soirée pour profiter avec mes potes, hop, on va aller faire quand même un petit truc là. Je vais me connecter sur mon site préféré pour gagner des Robux gratuits. Je t'explique en même temps. Connecte-toi avec ton pseudo Roblox. Le site ne te demandera jamais ton mot de passe. Va à gauche dans l'onglet Gagner et là tu peux gagner des Robux en jouant à des jeux ou juste en regardant des vidéos. Par exemple, je clique sur Offert Taureau, je peux choisir l'appareil sur lequel je suis. Par exemple, je prends un téléphone Android et je peux jouer à des jeux pour obtenir des points. Donc je peux télécharger des applications, y rester pendant quelques secondes et ensuite je gagne des points. Clique sur le texte promo code à gauche et tape 15L pour obtenir des Robux gratuitement. Ensuite, on va récupérer nos Robux. Pour cela, va t'en retirer, choisis le montant, puis va dans le Select Game et choisis l'option qu'on te propose. Clique sur Create New, ça va t'ouvrir une nouvelle page. Clique sur Gérer mes jeux, puis Game Pass. Crée ton Game Pass si tu ne sais pas le faire, je t'explique. Choisis n'importe quelle image et n'importe quel nom, ça n'a pas d'importance. Puis clique sur Preview, ensuite sur Verify Upload. Une fois créé, va sur l'écrou et configure. Dans Sales, active et mets le prix de couleur jaune. Tu recevras le prix en blanc car Roblox déduit des taxes d'une valeur de 30%. Sauvegarde et reviens sur Gems Loot. Clique sur Change, ça va te montrer le Game Pass que tu viens de créer. Clique sur Buy Game Pass. Pour être sûr, tu peux appuyer sur View Transactions in Roblox et tu verras les Robux qui vont arriver sur ton compte. La transaction peut prendre entre 1 à 7 jours en moyenne et voilà, enjoy tes Robux gratuits. Ah, enfin cette soirée, oh, t'as vu toutes les voitures? Ah oui, j'avoue, il y a vraiment beaucoup de monde. Est-ce que ton copain sera là? Bah normalement, il m'a dit qu'il allait venir, donc ouais, je pense. Je pense. Ah, j'espère. C'est pour être Kim. Salut Kim. Ah, salut. Venez vite, la fête a déjà commencé. Ah bah on voit ça. Oh, regarde, il y a tout le monde. Ah, il y a toute l'école ici. Bah, c'est génial. Oh, bah, j'ai failli me manger une balle dans la tête. Moi aussi. Oh, wow. Bah, alors... Elle est parfaite. Pourquoi il y a de la nourriture par terre? Vous êtes sérieux? Gâchez ma nourriture. Oh, ah ouais, c'est trop bien. Et dites, et vous, vos copains, ils sont là ou pas? Non. Oh, moi, je pas. Non. Et il a pas voulu venir. Il a pas voulu venir? Mais ça va mieux entre vous? Oui, oui. Et toi, Kim, t'as trouvé un copain là entre temps ou pas? Non. Et les filles? Ouais. Vous savez ce qui s'est passé? On va avoir un examen, mais. Raconte. Genre, si on réussit, genre dans les 30. Bah on passera, ça c'est trop bien. Oh, génial. De bon, toute façon, j'ai toujours des bonnes notes, donc ça va, ça devrait aller. Bon, moi je galère un peu. Même. Bah on fera des cours de rattrapage ensemble si vous voulez, on s'entraînera un petit peu. Ah ouais. Pourquoi pas. Ah, et nickel. Les filles, un jour, ça vous dit d'aller à la plage ensemble? Bah ce week-end, on pourrait se faire ça tranquillement. Ce week-end? Allez, venez, on va s'asseoir sur le canapé. Ouais. Il y a un saut. Ah, ça fait du bien de s'asseoir un petit peu là. C'est vrai. Mary. Ah, salut, ça va? Ouais, salut, ça va et toi? Tranquille. Bah, je t'avais dit que j'allais venir à la soirée, non? Ah ouais, bah oui. Ah, ah oui. Bah c'est cool que t'as pu venir. On va parler un peu genre... Ouais, les deux. Tranquille, je vois que t'es un petit peu tendu, viens, on va monter on va piquer la chambre à Kim. Ouais, vas-y, il y a un bruit ici, là. Oh, il y a un ascenseur et tout dans la maison, viens ça. Hop. Alors viens, on va se mettre là, dans la chambre des parents de Kim, bon, faudra pas lui dire. On est bien, là. Bah alors, t'as passé une bonne journée? Ouais, ça va, écoute, et toi, ta journée? Ah, tranquille. Par contre, j'ai vu que hier, t'avais parlé avec Sarah à l'école. Elle voulait quoi, Sarah? Sarah, c'est qui? C'est la petite brune, là, qui est dans le même cours d'SVT que nous. Sûr? Non, je connais pas de Sarah. Peut-être mon ami Brian, il a les cheveux longs et il est un petit peu... les cheveux blonds aussi, du coup. Ouais, c'est peut-être lui.
T'as dû confondre. D'accord. T'as dû confondre. Ouais, okay. C'est mon ami qui... Tu sais qu'un petit peu... Il marche avec Martin des fois, tu sais. Ah, avec Martin, le fameux Martin, ouais. Oui. Ouais, Martin, le plombier, Martin. Apparemment, c'est son grand cousin. Ah non, pas le plombier, le pompier, ouais, voilà. Du okay. coup, ils ont eu ces looks comme ça, quoi. Mais non, c'était pas du tout une fille, bien entendu. Ah, j'habite. Parfait. Il y a juste à toi que je parle, bien entendu. Ok. Toi, la magnifique. Ouais. Cette soirée hier, je suis rentrée hyper tard. Heureusement que mes parents ils m'ont pas entendu rentrer parce que... Oh, heureusement qu'ils travaillent aussi et qu'ils se couchent tôt, hein, parce que sinon j'aurais été grave dans la merde. Ah, il fait beau aujourd'hui. Bon, allez, on va à l'école. Je vais juste me changer quand même. Allez. Et voilà, on enfile le petit uniforme. Oh, j'ai grave... Oh. Oh, je me sens pas bien là. Oh. Ah, oh, je me sens vraiment pas bien là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens bizarre comme ça? Si. Bah. Ah, oh, je me sens vraiment pas bien. Je crois que je vais aller aux toilettes avant de. Faut vraiment que je me brosse les dents là. Ah, faut que je me brosse les dents là. Je pue de la gueule maintenant, c'est horrible. Mais qu'est-ce que j'ai mangé hier pour vomir? J'ai juste mangé des chips, je crois. Allez, je vais me laver les dents. Allez, parce que là... Bon, je pense que c'est juste une petite indigestion. Je me lave les mains. Et puis, direction l'école. Allez, on y va. Allez, on va à l'école. Je vais être en retard maintenant. Oh, faut que je me dépêche. Ah! Et tu trouves pas que Ashley... C'est pas de son habitude, elle est en retard. Bah non, d'habitude, elle est toujours à l'heure, maman pas en avance. Ouais. Salut les filles. Salut. Salut Ashley. Ah, bah, t'es un peu en retard aujourd'hui. Hein. Ah ouais, je sais pas ouais, pourquoi, je me suis sentie hyper mal ce matin. J'ai vomi, je crois que j'ai mangé un truc hier à la soirée, mais je sais pas trop quoi. Je me sens pas très bien. T'as dû manger des chips. Ouais. J'ai mangé plein de chips, j'ai peut-être trop mélangé les chips, peut-être, je sais pas. T'es vraiment blonde, toi. Ah ouais, j'aurais pas dû mélanger les chips, hein. C'est pas bon. Hein. Ah. Bah. Ah, ben. T'as pris des médicaments? Ça sonne. Ah. Oh, non, j'ai rien pris. J'ai pas eu le temps. Ah. On y va? Ouais, on y va. Oui, déjà que je suis en retard, fou. Oula. Oh, mon téléphone il sonne. Attendez. Ah bah, je vais mettre en mute. Venez, on s'assit, on se met à côté ici. Hop. Ouais, j'arrive. Bonjour mes chers élèves. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur la pièce de théâtre Le saut sur l'échelle. Donc, je vais vous distribuer les feuilles pour le script de la scène de théâtre. Venez un à un à moi s'il vous plaît. Madame, excusez-moi, je me sens pas très très bien. Est-ce que je peux aller aux toilettes s'il vous plaît? Allez-y. Merci. Oh merde. Ah, oh, j'en ai foutu partout. Ah. Oh non. Ah, oh, j'en ai marre. Pourquoi je vomis? J'ai plus rien à vomir, j'ai déjà vomi toutes les chips ce matin. Ah, oh, je pue de la gueule maintenant, c'est horrible. Je vais rester un petit peu ici le temps que mon haleine soit meilleure. A few moments later. Ah, oh, j'en ai marre. J'ai raté tout le cours. Oh, ah, c'est vous les filles. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'es partie du cours? Bah, je me sentais pas bien. Si je serais restée encore 2 secondes de plus en cours, j'aurais vomi partout. Là, je suis venue, limite, j'en ai foutu partout. J'en ai marre. Je sais pas ce qui se passe. Ashley. Oui? T'as fait quoi hier? Tu veux dire quoi avec mon copain? Avec ton copain? Ben, c'était the soirée, les filles, donc voilà, oh je pense que vous avez compris.
Ouais. Je pense qu'il va falloir aller acheter un test de grossesse pour toi, là, parce que... Ouais. Vous pensez... Oh non... Ouais. Vu les symptômes... Je pense qu'on va aller à la pharmacie, à 3. Ouais, ouais. Parce que t'as pris ton argent ? Si tu veux, je paye. Non, j'ai pas de sous, là, sur moi. Je vais payer. Ouais, tu me dépannes. Oui, oh, bah, merci. Ouais, de rien. Ok. Bah, du coup, la prof m'a dit de te donner ça. Tiens. Ok, merci. Hop, je vais mettre ça dans mon sac... Hop là, merci. Franchement, les filles, vous gérez, faut qu'on aille. Ouais, je vais aller chercher ce test. On t'accompagne, ouais. Hein. Ok. Ouais, on t'accompagne, c'est sûr. Allez, on y va. Go. Allez. Ah, ok. Là, j'ai le test. Je vais faire pipi dessus pour voir. Allez. Oh, j'espère que c'est pas positif. Ah, moi aussi, parce que sinon, la pauvre. Ouais. Mais ça va être bizarre si c'est positif. Tu penses que tu vas encore faire laquelle ? Je pense qu'elle aura pas le choix d'avorter, hein. Si c'est positif, ouais. Mais. Si soyons positifs, en espérant que ça soit négatif. Tu fais quoi si c'est positif ? Bah, je sais pas. Ouais. Je vais me laver les mains quand même. On va être des plus ratés du lycée, vraiment. Ok les filles, j'ai le test, j'ai pas regardé le résultat encore, il est en train de s'afficher. Vous pouvez me dire pour moi s'il vous plaît là ? Oui, donne-moi. Oui. Tiens. Oh. Alors les filles avec... Mais c'est positif. Oh là. Alors là, les filles, c'est quoi ? Que... Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi. Ton test est positif. Non ! Non, non, non. Je suis désolée de te l'annoncer. Désolée. Mais... Non. Je sais pas comment tu vas pouvoir faire. Hein. Non, me dites pas ça. Comment je vais faire? Non. Parle-en à ton copain. Ouais, et tes parents. C'est ouais. Je vais réfléchir. Oh non, mon Dieu. C'est... Okay. Faut que j'aille parler à Jason là, faut que je lui annonce la nouvelle. À deux, on sera plus fort pour affronter ça. Ah, bah il est là. Salut Jason. Ouais, yo. Écoute Jason, faut qu'on parle, j'ai un truc hyper important à te dire. Ouais, dis-moi, je t'écoute. Bah en fait, je suis enceinte. Ouais, et alors ? Comment ça, et alors ? Bah, tu vas être papa. Moi, papa ? Bon, écoute, ma petite Rachel, moi, je suis encore tout jeune, tu vois. Faut que je m'amuse, Rachel, t'as compris ? Comment j'ai pas le temps de tout ça, en fait ? Alors déjà, mon prénom, c'est Ashley, c'est pas Rachel. Mais comment ça, tu veux t'abuser ? C'est pas vrai, ça. Arrête. Faut que tu prennes tes responsabilités, Jason. Prends tes responsabilités. Ah bah tiens, en prenant responsabilité, attends, donne-moi deux secondes. Ouais ? C'est qui, Emily ? Ah, Catherine ? Ouais, bah on se voit tout à l'heure, ouais, t'inquiète pas, update et tout. Quoi ? Ah, t'inquiète pas, allez. Quoi ? Ouais, du coup, tu me disais, Michel ? Comment ça ? C'est qui, cette Emily, Catherine ou Joseline, là ? Qu'est-ce que tu me fais, là ? Bah, moi, là, je suis en couple, maintenant. Ouais, comme pleurer, là. Bon, faut que je me reprenne, Ok, je vais aller chercher les filles avant que le cours y commence. Elles sont où les filles ? Oh Betty, Ashley, sortons où ? Vite, on se cache. Ah bah vous êtes là. Salut les filles. Oui, on est là. Ouais. Salut. Je suis vraiment pas bien là. Jason il m'a largué. Ah bon, ça va. On est au courant qu'il sortait avec une certaine Katrina. Ouais. Quoi déjà avec... Oui, il est en couple avec une Katrina. Tu sais, il est très populaire et il est très beau. Quoi, tu vois tu... Attends, tu veux pas essayer de sortir avec lui quand même avec mon ex? Bah, désolé, mais il est tellement beau. Oh, t'as vraiment eu de la chance, mais. Oh bah, ça sonne, on va en cours. Ouais. Ouais. Et les filles, dites voir, là, faut que je me change les idées. On fait un truc après les cours, genre un petit cinéma, un petit quelque chose. Désolé,
désolée, mais ma mère a voulu que je fasse le ménage. Du coup, je vais rester toute la soirée en train de faire le ménage. Je peux pas. Et moi, bah, j'ai un rendez-vous chez l'orthodontiste, donc je peux pas venir, je suis désolée. Oh, ok, bon, bah, on remettra ça une autre fois, alors c'est pas grave. Ouais, une autre fois. Bon, faut que je rentre et faut que je le dise à mes parents, là, ça ne va plus. Papa, maman ? Ah, vous êtes là. Oh, bonjour ma chérie. Mais dis donc, attends, t'as pas pris un peu de ventre en ce moment ? Ça fait quelques jours que je te regarde et j'ai l'impression que le petit bidou, il pousse. Mais qu'est-ce que t'as fait ? T'as mangé trop de McDo ? Non, en fait, c'est autre chose. Papa, maman, faut que je vous parle, c'est important. En fait, je suis... Assieds-toi, ma chérie. Oui, je vais m'asseoir. On va s'asseoir à table, ok, on va s'asseoir à table. Ok, papa, maman, faut que je vous dise un truc. En fait, je suis enceinte. Sors de chez nous. Quoi ? Suite. Comment ça ? Vous pouvez pas me faire ça ? On t'a pas éduqué comme ça. Te déshérite. En plus, t'as mis... franchement, là, t'as mis un truc sur le nom de notre famille. T'as gâché complètement notre famille, hein. Quoi ? Qui le père ? C'est Jason, mais il m'a quitté. C'est qui ce Jason ? Plus il t'a quitté ? Oui, il m'a quitté tout à l'heure quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Des bons à rien, tous les deux. Mais je vais aller où, moi ? Tu réfléchis pas ? Bah, t'envoyer dans un pensionnat ! Voilà, ta mère a raison, dans un pensionnat ! Quoi ? En Écosse. En Écosse ? Ouais. Mais c'est loin ! Je vais faire comment, non, t'as intérêt à faire tes bagages, jeune fille. Mais mes copines, comment je vais faire pour les voir après ? Arrête de disputer, c'est pas en Écosse qu'on va t'envoyer, c'est en Russie, au goulag. Non, ok, je suis en Écosse. Ok, en Écosse. Par contre, tout ce qu'on t'a acheté, tu vas pas l'emporter avec toi, tu vas aller comme ça. Quoi ? Comme ça ? Avec ton uniforme. Ouais, sans rien du tout, sans argent de poche, on va t'envoyer. Non. C'est vraiment une honte, je suis... Franchement... Brûle le nom de notre famille. En fait, t'en as rien à faire. Avoue, tu l'as fait exprès. Non, j'ai pas... C'est honteux. C'est honteux. Je t'appelle même plus ma fille. Déshéritée. Je pense qu'on en a un deuxième, hein, de remplacement, qui est mieux que celle-là. Allez, dégage, là, sors devant. Allez. Okay. Attends, avant de partir, là, tes clés. Donne ta clé, tu rentreras plus jamais ici. Quoi ? Ok, tiens, mec. Allez, c'est bon. Allez, sors ! Allez, sors, je t'ai dit ! Cours ! Cours, plus vite ! Plus vite ! On ferme la porte. Allez, c'est bon. Ah, faut que j'aille. On est bien posé, hein. Attends, mais c'est... Ouais. C'est la voix de Kim et Beverly que j'ai entendu ? Attends. Bah, attends, cache-toi, Cache-toi, prends ton... Cache-toi. Attends. Attends, mais c'est vous, les filles ? Mais... Non. Mais... Non, vous êtes qui, en fait ? Je ne vous connais pas. Tombé, je crois. Mais m'arrêtez de faire genre, je vous ai reconnu, là. Comment ça, vous êtes ici ? Vous m'aviez dit que vous aviez des trucs à faire ce soir. Bon, écoute, je vais t'expliquer, franchement. Enfin, non. Bon, ok. On lui dit ou pas ? Je sais pas. Tu veux l'expliquer ? Ouais, je vais expliquer. Bon, écoute. Moi, je veux pas d'une alliance. T'as capté ou pas? Du coup, tu nous détruis notre réputation. T'es sale, t'es dégueulasse. T'as compris? Allez, viens, on y va. Depuis que t'as fait cette chose avec ton copain, en fait, ta réputation a baissé, mais genre tellement. Ouais. Que du coup, nous aussi, ça baisse notre réputation, quoi. Ouais. À cause de toi, là, on se retrouve sali. Ouais. En plus, t'es sale, vraiment. Tu te laves pas ou quoi? Bon, tu viens. Beverly. Ouais, j'arrive. Ah mon dieu, c'est le jour de mon accouchement. Ah, oh, comment ça bouge. Bonjour. Ah, oh, bonjour mademoiselle Ashley. C'est ma journée aujourd'hui, comme prévu. J'ai mes contractions et tout. D'accord. Est-ce que vous voulez que toujours faire adopter l'enfant quand il sera né ? Oui, je vais le faire adopter. Ok, d'accord. Laissez-moi noter ça. Ok, c'est bon, c'est fait. Je vais avoir besoin d'une infirmière avec moi, s'il vous plaît.
Elle est dans la salle d'opération qui sera juste ici, d'accord? D'accord, ok, merci. Enlevez-vous. Mettez-vous en blouse d'hôpital, s'il vous plaît. Voir passer à l'accouchement. Voilà votre enfant. Oh, c'était dur. J'ai jamais dit que c'était simple, madame. Ah, mais elle est trop belle. Mélanie, sur le carnet, s'il te plaît. D'accord. Alors, comment souhaitez-vous l'appeler, madame? Elle va s'appeler Cameron. Madame. D'accord. J'ai oublié quelle date aujourd'hui. Dites-moi la date, s'il vous plaît, que j'écris sa date de naissance. Le 25 avril 2021. D'accord. D'accord. Vous devez juste poser une petite signature sur le carnet et ce sera bon. On vous garde une seule nuit et après vous pourrez partir. Mais attendez, c'est les papiers de l'adoption. Je vous laisse encore le choix si vous voulez l'adopter ou pas. Ça, c'est les papiers. On rendra à la municipalité pour qu'ils puissent avoir la naissance de... Ok, mais c'est pas les papiers de l'adoption. Non, pas encore. On vous les donnera après. Ok, bah je vais signer. Chercher la feuille d'adoption. Non, c'est plus la peine. Je veux pas le faire adopter. Cameron, c'est mon bébé. Je vais garder ma fille. Laissez-moi. Laissez-moi ma fille, je veux plus la faire adopter. D'accord, mademoiselle. Alors, on va vous garder ici quelques jours et on va juste vous faire un petit soin médical avant de... pour savoir si l'accouchement s'est très bien passé et que vous n'avez aucune séquelle. D'accord, merci. Bah, bon repos, hein. Au revoir, madame. Au revoir.